Parfait. La voie est libre. Pas une moire en vue. Je vais chanter pour grand-mère, ça la calmera. Tu dis vrai, Janou. C'est d'accord. Je vais l'aider. Suivez-moi. Janou est un bon garçon. Oui, c'est sûr. Mais les dames ne l'aiment pas. Méchante peste, qu'elles disent. Qui sont ces femmes sur la tapisserie? Ce sont les dames. Ô ravissante dame à l'esprit tout-puissant, entendez mon appel et entendez mon chant. Devant vous se prosterne un ver insignifiant. Comment oses-tu troubler notre sommeil, femme? Je cherche une fille aux cheveux cendrés, vous l'avez vue, je le sais. Où est-elle? Oh, comme il est impatient. Peut-être n'aime-t-il que les filles aux cheveux cendrés. Vous l'avez rencontrée, je le sais. Dites-moi tout. Tu ne perds pas de temps, je vois. Très bien. Dis-moi, es-tu un homme, un vrai? As-tu peur des bêtes de la forêt? Nous vivons une période trouble, Toison Blanche. Frère contre frère, et la terre est gorgée de sang. Le mal règne sur le pays, plus fort que jamais. Une sombre présence est apparue aux abords de Cutterneau. Elle se nourrit de haine et de mépris. Détruis la bête et nous serons reconnaissantes. Nous te dirons tout ce que nous savons sur cette fille aux cheveux cendrés. Une sombre présence. C'est un chevalier errant qu'il vous faut, pas un sorceleur. Parle à l'échevin de Cutterier, il t'en dira plus. Et n'oublie pas de collecter notre dû une fois la tâche accomplie. Et maintenant, notre servante va t'apporter la dague. Je vais parler à l'échevin, mais je ne vous promets rien. Qu'est-ce que tu attends, Vard? Donne-lui la dague. Quant à toi, Toison Blanche, ne reviens pas avant d'avoir accompli ta quête. Oui, maîtresse, la dague. J'arrive. J'apporte la dague. La dague, voilà, pour vous. Les dames m'ont demandé de vous la donner. Placez le paiement de l'échevin sur la pierre. Pierre nue, pierre tondue, pierre voyante, pierre savante.
Bonjour. Charmant village. Ouais. Une vraie petite perle des marais. Si vous le dites. Tout va bien par ici? Ouais. Les hivers sont rudes, mais on survit. Cette dague, ça vous parle? Oui, maître. Je ne savais pas que vous étiez leur serviteur. Je ne sers personne. Venons-en au fait. Je n'ai pas de temps à perdre. Très bien. Si vous le dites. Expliquez-moi votre problème, mais n'entrez pas dans les détails. La guerre a réveillé une puissance très ancienne, maléfique. Elle se nourrit de carnage et nous tourmente chaque nuit. Les gens disparaissent dans leur sommeil. Père, fils, mère, fille. Ils sont tous allongés au pied du grand arbre de la colline dolente. Personne n'a osé déplacer les corps. Vous devez faire quelque chose. Bannir cet esprit du mal. Les dames de la forêt n'ont pas l'air de savoir de quoi il s'agit. Elles savent tout. D'après la vieille Tekla, c'est une punition pour nous apprendre le respect. Certains les ont traitées de sorcières. Mais ça ne peut pas être elle, vu qu'elle vous envoie. Je vais aller jeter un œil sur la colline dolente. Prenez garde, maître sorceleur. Vous allez au-devant d'un grave danger. N'approchez pas plus près. Je sais qui vous envoie. C'est les forces qui me protègent. Elles savent qui vous envoie. Cette voix provient de là. Oh,
Reculez. Partez. 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 Un site. Montrez-vous. Je veux vous parler. Je devrais épuiser. Ici, pourquoi verser ce sang? Venez-vous mettre fin à mon existence ou me libérer? Vous dites qu'on vous a emprisonné. Comment? Des chaînes magiques me retiennent. Une errance sans fin. Un labyrinthe de feuilles. Les enfants. Je sais tout. Je connais le sort qui leur est réservé. Libérez-moi. Je dois les aider. Si quelque chose menace les orphelins, je peux m'en occuper. Les enfants ont été enlevés. Libérez-moi. Je vous en prie. Je peux devenir tornade. Destrier, lancer au grand galop. Laissez-moi les sauver. Autre personne m'ont mis en garde. Levez la main sur moi, c'est s'attirer les foudres de la nature elle-même. Le problème est réglé. Mais à votre place, j'éviterai la colline d'Hollande pendant quelque temps. Pas possible. Quelque chose rôdait par là-bas? L'arbre de la colline était possédé par un esprit maléfique. C'est lui qui était la cause des meurtres. Et vous avez fait quoi? Un esprit avait pris possession du cœur de l'arbre. Détruit le cœur et son hôte maléfique. Alors, c'était un fantôme. Il va revenir? Non. Les dames de la forêt, comme vous les appelez, m'ont dit de vous réclamer leur dû. J'imagine que vous savez de quoi il s'agit. Oui,
Donnez-moi la dague. Attendez-moi ici. Voici votre paiement. Apportez-le aux dames. Bon sang, qu'est-ce qui vous a pris? C'est notre pacte. Vous ne pouvez pas comprendre, étranger. Leur protection est à ce prix. Alors toutes ces oreilles dans les bois? N'y pensez pas, maître. Vous serez bientôt parti, mais nous, c'est ici qu'on vit. On doit penser à nos enfants. Velen est une terre oubliée des dieux et des hommes. Pour survivre ici, on doit se protéger. D'une manière ou d'une autre. En vrai, vous êtes différente de votre image sur la tapisserie. Eh bien, apporte ça. Ne cherche plus jamais à nous trahir. Tu as bien travaillé, c'est pourquoi nous te pardonnons cette petite transgression. Tes enfants sont tendres et doux. Mais pour le moment, nous devons parler au sorceleur. Je reconnais cette marque. Celle d'Anna, la femme du baron de Perchefreux. Elle ne lui appartient plus. Un fruit poussait en son ventre. L'homme qu'elle haïssait avait répandu en elle sa semence. Nous l'avons aidée, et depuis, elle nous sert. Elle porte la marque. Elle nous appartient. C'est une autre femme qui t'intéresse, je crois. Parle, Toison Blanche. J'ai rempli ma part du marché. À votre tour. Parole donnée, jamais nous ne brisons. La fille, pâle petite chose, cheveux gris souris, comme qui dirait. Maigre comme un clou, terrifiée, ébaisée, la pauvre, elle pouvait à peine tenir debout. Nous l'avons prise sous notre aile. Comme si elle était notre propre fille. Peine perdue, la fille n'était qu'une misérable ingrate. Méchante, obstinée. Et insensible. Je ne vous crois pas. Vous m'avez donné votre parole, alors dites-moi tout ce que vous savez. Nous allons tout te dire, mon brave garçon. Nous attendions une personne exceptionnelle. Nous avions lu sa venue dans les entrailles. Nous avions aperçu son visage dans une flaque d'eau. Elle est arrivée du marais. Au début, nous n'étions pas sûrs quelle fut la personne annoncée. Une enfant de sang ancien, l'enjambe brûlant de mille feux. Tu
Nous la tenions entre nos mains. Le sang ancien. Le sang de la traîtresse. Est-elle assoupie? Comme un agneau. Salut, sœur, ne perdons pas de temps. La table est mise et le chaudron bouillonne. Non, tu sais bien qu'elle lui est réservée. Oh, il mérite l'aura, mais pas tout entière. Bien dit. Inutile d'être trop gourmande. Je prends ses pieds. Si doux, tenu, parfait pour un bouillon. Oh, oh oui, j'en ai l'eau à la bouche. Eh bien, qu'attendons-nous? Oh, tu vas le regretter, ma fille. Tu vas le regretter amèrement. Il est venu pour toi. Vous avez essayé de la tuer. Vous avez tenté de la manger comme un animal. Son sang portait en lui la vigueur et la fougue de ma jeunesse. Une enfant de sang ancien. Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas? Quel dommage qu'elle se soit enfuie. Elle s'est enfuie. Mais je la retrouverai. Ensuite, on reviendra pour vous tuer. Tu reviendras, c'est vrai. Nos destins sont liés. La mort sera au rendez-vous, mais pas pour nous. Pars maintenant. Pars à la poursuite d'ombres insaisissables. Souvent, tu la verras, mais elle ne sera qu'un mirage. Et si par miracle tu la trouves, elle mourra. On se reverra. Oh, je vais lui. Ah.